La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h, l'actualité ce soir, deuxième jour du sommet Chine-Afrique à Pékin. La priorité pour les pays africains reste la dette chinoise. Le président Fornia Singbi a pris la parole à cette tribune et accordé des audiences. Le plan national du système éducatif au Togo, revisité depuis ce matin par les acteurs nationaux, partenaires techniques et financiers. Le document date déjà de 5 ans. Quelles avancées depuis 2013 donc? Nous posons la question ce soir. Le droit à la santé des détenus. Qu'y a-t-il à améliorer dans les soins pour ces femmes et hommes en séjour derrière les barreaux? Préoccupation partagée à Takpamé par différents acteurs. Et puis, sport, trois athlètes togolais au Burkina Faso pour le compte du Togo donc, aux Jeux de Ouagadougou le week-end dernier. Ils sont de retour avec, dans leur escarcelle, une médaille d'or fièrement présentée cet après-midi au ministre Guy Madi Lorenzo, tout heureux de la recevoir. Et voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue donc aux 20h. Le sommet Chine-Afrique, donc, avec cette question d'abord, c'est vers un partenariat gagnant-gagnant. En tout cas, pour les pays africains, eh bien, la priorité reste donc la dette chinoise. Les dirigeants des 53 pays sont donc réunis à Pékin depuis hier pour le forum sur la coopération sino-africaine. Et pour la Chine, elle, c'est consolider son influence économique, mais aussi politique en Afrique. Parmi les dirigeants africains présents à Pékin, le chef de l'État, Faure Sosibna Nyasimbe, qui s'est même exprimé à la tribune de ce sommet Chine-Afrique lors de la table ronde donc des chefs d'État et de gouvernement au forum de la coopération sino-africaine. Le président de la République, Faure Sosibna Nyasimbe, a prononcé donc ce jour un important discours dans lequel le chef de l'État a salué cette coopération entre la Chine et l'Afrique, coopération fondée sur le respect mutuel, la sincérité et la recherche de résultats concrets. Et pour le président Faure Nyasimbe, les liens qui unissent l'Afrique et la Chine sont pérennes car ils se nourrissent de la sève vivifiante de l'amitié que nous avons choisi, poursuit le chef de l'État, de partager, de cultiver et d'assumer au regard de tous. Et parlant de l'initiative Ceinture et Route, eh bien, le président de la République a salué ce modèle de développement alternatif, pacifique et plus équitable. Nous reviendrons donc sur ce discours du chef de l'État. Sur place à Pékin, ces deux audiences accordées par le chef de l'État, M. Enrique Yang, le président directeur général de Belt and Road Initiative Office. Il a été donc reçu par le président Fornia Singwe. Je vous propose d'écouter M. Enrique Yang. Il s'est confié à la presse au sortir de l'audience. Monsieur le vice-président a dit, d'abord on dit, vous êtes bien, son excellence monsieur le président et votre délégation, vous êtes bien, nous vous souhaitons bienvenue en Chine. Et puis je lui ai présenté un peu la situation dans notre entreprise et puis notre activité en Afrique. Et puis nous voulons bien coopérer avec le pays Togo. Nous voulons trouver des opportunités à coopérer ensemble pour améliorer la vie locale. On va travailler ensemble grâce au support de l'État bilatéral. Améliorer la vie locale, par exemple des projets de route, des projets énergétiques et puis des zones industrielles. Et voilà. Nous avons participé à plusieurs appels d'offres à Noko et puis on attend le résultat. Et nous espérons, et surtout après le forum, nous trouverons des projets supportés par les deux gouvernements. On va avancer plus vite. Une ceinture, une route, c'est une proposition d'amitié de la Chine et je pense votre pays, Togo, vous avez une économie et la politique stable, ça va favoriser l'intégrer les technologies et l'entreprise à entrer pour travailler ensemble dans le futur.
bien. Autre personnalité reçue par le chef de l'État, M. William Chang, vice-président de la Polytechnology Incorporated. Je vous propose de l'écouter également. Il s'est confié à la presse au sortir de l'audience. C'est ma deuxième réunion avec le président depuis un an et demi. Nous avons apporté les progrès et les changements que Poly a connus depuis ces 18 mois-là. Et nous avons présenté aussi les affaires que nous avons réalisées dans la sous-région, ainsi que les projets en cours de discussion avec le Togo, surtout dans le domaine de l'infrastructure, l'industrie, énergie renouvelable. Il faut dire que tous les projets sont en discussion, donc on ne peut pas donner un temps concret, mais nous sommes très intéressés et capables de réaliser les projets comme logements sociaux, industrialisation, l'énergie renouvelable, comme nous sommes une des plus grandes sociétés d'État chinoises, et nous sommes prêts et à poursuivre les discussions avec le gouvernement togolais dans tous ces domaines. Nous aimerions réaliser les projets au plus vite possible parce que durant le forum, cette fois-ci sino-africain, notre président Xi Jinping a établi un plan de coopération avec l'Afrique. Nous aimerions que tous ces projets se rentrent dans ce cadre pour que ça soit réalisé dans le plus bref délai possible. Il faut dire que tous nos projets de discussion sont assez grands et dans certains aspects c'est un peu compliqué. Il faut l'effort conjoint des deux parties, mais la volonté est là. Nous sommes tous les deux côtés sont très positifs pour la réussite de tous ces projets. Et voilà donc pour les deux audiences accordées par le chef de l'État à Pékin à ce jour. L'actualité, c'est aussi l'éducation et cette rencontre des acteurs du secteur, acteurs nationaux, partenaires techniques et financiers, au menu de leurs assises, le rapport d'État du système de l'éducation nationale. Il a été produit depuis 2013. Le texte est donc revisité depuis ce matin. Antoinette Omavovo. La dernière mise à jour du rapport d'état du système éducatif national RISEN et du plan sectoriel de l'éducation PSE remonte à 2013. À cette rencontre, les différents acteurs du système éducatif national vont faire le point des avancées enregistrées dans le domaine au cours de ces 5 dernières années en vue de noter les défis à relever. L'actualisation de ce diagnostic sectoriel permettra d'arrimer les documents de stratégie sectorielle du Togo par rapport à l'engagement que le Togo a pris au regard des objectifs de développement durable, mais aussi finalement de pouvoir répondre à l'ambition forte et affichée dans le programme national de développement du Togo. L'actualisation du plan sectoriel de l'éducation témoigne de l'engagement du gouvernement à asseoir un système éducatif de qualité. Le ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle reste conscient du chemin à faire pour atteindre cet objectif. Nous sommes tous conscients que les attentes de notre jeunesse sont encore nombreuses et leur satisfaction doit s'appuyer sur la maîtrise de notre environnement marqué par de profondes mutations auxquelles le système éducatif doit s'adapter s'il veut perdurer et demeurer efficace. Plusieurs chantiers sont en cours pour moderniser davantage le secteur. Nous citerons, entre autres, l'ouverture prochaine des filières professionnelles de formation initiale des enseignants secondaires dans les universités publiques, la finalisation de la stratégie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la refondation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle des jeunes à travers le projet de création des instituts de formation pour l'agro-développement ou de formation par alternance de développement, IFAD, la mise en œuvre de la politique d'assurance qualité au sein de l'enseignement supérieur, et enfin, l'adoption
de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le nouveau plan sectoriel de l'éducation devra également prendre en compte l'allègement des programmes de l'enseignement secondaire en général, ainsi que la politique nationale de la petite enfance. Ceci pour assurer une éducation inclusive et de qualité en adéquation avec l'emploi et la formation. Et ce rapport qui a donné naissance au PSE, Plan National du Système Éducatif, produit, je vous le disais, depuis 2013, il y a donc 5 ans aujourd'hui. Les défis sont toujours d'actualité, mais quelles sont les avancées tout de même déjà enregistrées? Eh bien, voilà cela avec Ekwesala. Au cours de ces 5 dernières années, le Togo a enregistré des avancées significatives dans le domaine de l'éducation. Dans le préscolaire, le taux brut de scolarisation est passé de 15,8% en 2013 à 37% en 2017. Au primaire, le taux net de scolarisation a atteint 93,7% en 2017. Dans l'enseignement secondaire général, tout comme dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, des efforts sont également consentis pour améliorer la qualité de l'enseignement. Des résultats qui démontrent la volonté du gouvernement à garantir un enseignement de qualité à tous, conformément au numéro 4 des objectifs de développement durable. Nous budgétisons 3 années de mise en œuvre. Et après les 3 années de mise en œuvre, nous faisons une évaluation. Et si l'évaluation demande une mise à jour, nous reprenons la mise à jour. Et dans le contexte actuel, en dehors des défis qui ont été relevés par l'évaluation des 3 premières années de mise en œuvre, il y a beaucoup d'évolutions au niveau du contexte international, notamment l'adoption des objectifs de développement durable. Il y a la stratégie continentale adoptée par l'Union africaine également pour améliorer l'éducation en Afrique. Et ce contexte international nous oblige également à revoir notre plan sectoriel de l'éducation. Les défis sont nombreux, mais il y a 2 qui sont majeurs. Il y a le défi de la qualité des apprentissages et puis il y a le défi de la pertinence des apprentissages en termes d'employabilité des diplômés de nos systèmes éducatifs. Et ces 2 défis, plus les autres qui sont liés à la question de l'équité, à la question de l'inclusion, etc., seront pris en compte dans le nouveau document que nous allons élaborer pour le Togo. À ces progrès s'ajoute le statut particulier de l'enseignant qui vient d'être adopté en Conseil des ministres. Un outil de modernisation du système éducatif national mis en place par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de l'éducation. Plusieurs autres chantiers sont en cours pour améliorer davantage le secteur et l'adapter aux besoins spécifiques du marché du travail. La citoyenneté, le mieux vivre ensemble, surtout avec les personnes en situation de handicap physique. Elles sont parfois, vous le savez, marginalisées. L'ONATEC dit non. L'ONATEC, eh bien, c'est l'Organisation nationale pour l'accessibilité, le travail et l'emploi des personnes handicapées. À l'origine ici de cette rencontre sur le mieux vivre ensemble à intégrer à la stratégie du RED plus Togo. Les précisions, Sonia Medipo et Serge Laclé. Intégration de la dimension handicap dans le processus RED+. Il est question d'impliquer les personnes handicapées et autres groupes vulnérables dans le mécanisme de la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts afin que les programmes en projet n'impactent pas négativement ces groupes sociaux très souvent marginalisés. Un défi qu'entendent conjointement relever les acteurs de la RED+ et ceux de l'ONATEF Togo, Organisation nationale pour l'accessibilité, le travail et l'emploi des personnes handicapées. La version 1 de la stratégie nationale RED+ existe. Elle est disponible et si cet atelier a lieu, c'est qu'on a conscience qu'on peut encore apporter des contributions. Et ça sera une des propositions pour que les acteurs puissent ajouter, compléter à travers ce qu'ils vont découvrir ou redécouvrir par rapport à la thématique du handicap et des groupes vulnérables insérés dans cette stratégie. Donc c'est un mécanisme de suivi, évaluation, un partage, une concertation avec tous les acteurs, avec tous les bénéficiaires pour que nous puissions ensemble partager le même climat
et faire en sorte que cela nous soit bénéfique pour toujours. C'est en réponse aux enjeux de la déforestation et de la lutte contre les changements climatiques que le Togo s'est engagé en janvier 2015 dans le mécanisme RED+. Le processus enregistre des résultats encourageants et l'ambition à présent est de disposer cette année d'une stratégie nationale RED+ en cours d'élaboration. Un défi qui ne saurait être relevé sans l'implication de ces personnes vulnérables. Et c'est aussi une autre forme de handicap, la pauvreté, la précarité, une situation ici, vous allez le voir, un partage de ces filles-mères, le phénomène, une grossesse piquée, par exemple en milieu scolaire, l'enfant n'est pas de père qui s'en occupe, ni de formation pour la jeune maman, la suite, une vie bien difficile. L'association Génération Déborah vole le secours justement de ces filles-mères à Agou, en initiant cette séance de formation. Le récit de Yves Abouvivi. Elles sont des filles mères, des écolières et apprentis tombées enceintes en cours de formation. Et depuis, les choses ont basculé. Apprentissage et études arrêtées, suivi de la naissance d'un bébé sans soutien. Bienvenue la précarité. Une situation récurrente dans plusieurs localités au Togo, comme ici à Agou. Et le constat qui est fait, c'est que généralement, c'est des filles entre 14 et 22 ans qui tombent enceintes et dont l'avenir devient compromis. Ce phénomène-là a tellement de l'ampleur qu'il nous appartient à nous-mêmes, les populations, les parents d'élèves, mais les élèves eux-mêmes, les enseignants et la société civile que nous avons ici, de pouvoir prendre ce problème à bras le corps et de lutter contre ce phénomène-là pour donner un avenir certain à nos jeunes filles. Une situation contre laquelle les organisations partenaires, notamment l'association Génération de Déborah, de Livingstone Resource Center et le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique partent en guerre. Ils veulent y mettre un terme. Et pour ce faire, ces filles mères d'Agou, en tout 70, ont été invitées à cette formation de 2 jours dont le thème interpelle les participantes. Lève-toi et poursuis ton rêve. La pépinière, c'est nos jeunes filles que nous devons encourager à se maintenir dans le cursus scolaire, que nous devons encourager à être des responsables dans les centres d'apprentissage pour apporter leur contribution au développement de notre nation. Nous voudrions seulement faire comprendre à ces filles mères que être fille mère n'est pas un décret qui scelle leur destin, qu'elles ont besoin de prendre en main leur destinée parce que la nation tout entière a besoin d'elles pour son développement. Quand on a un échec dans notre vie, des fois on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à se lever pour continuer le chemin. Donc avec une formation de développement personnel où nous irons alors parler de l'importance d'avoir une image positive d'eux-mêmes et d'être déterminés et prêts à relever le défi qui est devant eux. Comment eux-mêmes ils pensent qu'ils peuvent se redémarrer et nous sommes là pour leur donner cette confiance, pour leur partager des expériences, des principes importants pour qu'ils se retrouvent, qu'ils deviennent vraiment engagés pour leur propre avenir. Pour Guy Madier Lorenzo, ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique, cette formation est capitale dans cette localité d'Agou où le phénomène qui prend de l'ampleur enlève aux filles la chance de réaliser leurs rêves. Une barrière dans la ligne de mire du chef de l'État, Forestier Zinania Singbé, dans son objectif d'atteindre l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il apparaît évident que dans le monde et encore plus nettement dans les pays comme les nôtres, les filles sont exposées à des risques qui affectent leur intégrité physique et psychique, inhibent leurs capacités intellectuelles et bloquent de ce fait leurs futures chances d'accès à un monde équitable, de répartition des ressources et d'un emploi décent. Au Togo, et particulièrement dans la préfecture d'Agou, il a été constaté que la majorité des jeunes filles âgées de 14 à 22 ans tombent précocement enceintes et de cette façon abandonnent leur rêve de se réaliser. Pour atteindre l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable, le chef de l'État, son Excellence M. Forestier Zinania Nyasingbé, a une vision réaliste qui s'appuie sur des ressorts sociaux au rang desquels se retrouve l'élimination des barrières empêchant la promotion des femmes et des filles. Il accorde une attention soutenue aux dispositions légales, sociales et politiques permettant aux filles d'apprendre
diriger, décider, s'épanouir dans un monde en proie à de nombreuses crises. Gagner les défis de zéro grossesse en milieu scolaire d'ici à 2021, aider les soins des filles mères à être financièrement autonomes et à continuer leurs études, voilà l'objectif fixé par le groupe des partenaires dans ce projet dénommé Prise en charge des jeunes filles mères dans la localité d'Agou, formation en développement personnel. La sensibilisation sur le terrain a été pensée. Ceux qui doivent l'assurer ont été également invités à cette formation, les reines mères. Et voilà qui nous amène aux questions de droits de l'homme. À présent, plus précisément, cette séance de formation pour des formateurs en matière des droits de l'homme. Et c'est le CACIT qui est à l'initiative. L'éthique, les nouvelles technologies constituent l'un des modules. Les précisions de Gérald Agoudjou. Le Togo ne dispose pas pour l'instant de loi spécifique pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. En attendant l'adoption d'une loi, le pays a adhéré aux principes et valeurs de la Déclaration universelle qui offre un environnement favorable et un climat de collaboration entre les acteurs impliqués. Pour plus de professionnalisme dans ce secteur, le CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo, a initié cette rencontre des formateurs placée sous le thème « Les défenseurs des droits humains, encadrement et mécanismes de protection légaux et digitaux ». Nous allons redéfinir le concept de défenseur des droits de l'homme, revoir les concepts, le contour de ce concept-là. Ensuite, nous allons voir sur cette base-là ce que le défenseur doit faire pour rester très professionnel dans ce qu'il est en train de faire. Un des moyens d'attaque que le défenseur subit souvent, c'est l'attaque de ses instruments de travail, notamment les ordinateurs et les informations numériques. Et donc, nous allons apprendre également durant ces 3 jours comment protéger les informations numériques, ce que nous appelons la sécurité numérique. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Nakpa Polo, a salué cette démarche du CACIT et a invité les participants à une meilleure appropriation des travaux. Bon nombre de défenseurs des droits humains au Togo ignorent les instruments internationaux et régionaux qui les protègent, ainsi que leurs droits et devoirs. Certains défenseurs n'ont pas une connaissance des mesures à prendre pour assurer leur propre sécurité. Et cela non seulement les expose aux différents risques précités, mais par-dessus tout remet en cause l'objectivité et l'efficacité de leurs actions. Ils urgent donc que les défenseurs des droits de l'homme soient renforcés dans l'exercice de leurs actions. C'est à cet égard que je salue la présente initiative et encourage les autres organisations à emboîter les pas de cette rencontre. Pour ma part, je voudrais vous assurer de la disponibilité du gouvernement à accompagner de pareilles initiatives en vue de la professionnalisation des défenseurs des droits de l'homme et pour une meilleure protection des droits des citoyens. Ces participants serviront de relais d'information au sein de la famille des défenseurs des droits de l'homme dans leurs structures respectives. La rencontre a reçu l'accompagnement de l'Organisation mondiale contre la torture et de l'Union européenne. À l'étranger, au Mali, Ibeka prône l'unité lors de sa prestation de serment. Le président malien réélu a donc prêté serment ce mardi devant plus de 3000 personnes, alors que l'opposition continue à contester cette investiture. Le président malien Boubacar Keïta a tenu un discours d'unité tout en exigeant de la loyauté pour faire avancer la mise en place de l'accord de paix. La présidentielle en RDC s'est pliée. La candidature de Jean-Pierre Bemba est définitivement invalidée. L'ex-chef rebelle a été exclu de l'élection du 23 décembre prochain. La raison, sa condamnation pour subornation de témoins par la Cour pénale internationale. Décision confirmée ce mardi par un arrêt de la Cour constitutionnelle. La politique encore est précisément chez nous au Togo avec Winnie très active sur le terrain. Une période de pré-campagne bien remplie donc pour le parti avec la sensibilisation de ses comités de base ici à Soli. Nestor Mouzou. Unir Assoli en ordre de bataille. La bataille du 20 décembre qui s'annonce sera âprement disputée dans cette préfecture. Assoli a droit à 2 sièges de députés à l'Assemblée nationale. En juillet 2013, lors des dernières élections législatives, sur les 2 sièges, 1 a échappé à l'Union pour la République.
le parti présidentiel affiche sa stratégie pour aller à la conquête de ce siège perdu. Cette rencontre à Bafilo, comme toutes les autres organisées dans les autres cantons de la préfecture, constitue un tremplin pour l'atteinte de cet objectif. La tournée des cadres de UNIR a été placée sous le thème « Élections législatives de 2018 à Assoli, enjeux et défis ». Nous sommes porteurs de messages des premiers responsables de notre parti. C'est quoi? C'est d'informer nos militants par rapport aux différents comités qui sont mis sur place pour préparer les échanges futurs. Deuxièmement, les activités menées par le chef de l'État, Forces Nyasimwe, et son gouvernement, on a porté ça à la connaissance de nos populations afin de ne pas se faire tromper. En plus, on a un grand défi. Ah, celui-ci, nous avons deux sièges. Comment faire pour emporter les deux sièges? On leur a parlé des critères qu'il faut avoir avant de pouvoir poser sa candidature à la candidature. Nous avons voulu qu'ils comprennent ce que c'est qu'un député. Quel est son rôle et ses missions? Il ne suffit pas de postuler et tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc on a profité aussi de leur mettre ça dans la tête. Agir en militant responsable, avoir le sens du sacrifice, ne pas se laisser distraire, ne pas céder aux provocations. Autant de conseils donnés aux membres des comités de base par les cadres de UNIR Assoli afin que le parti triomphe lors des consultations électorales à venir. Et à propos justement des prochaines consultations électorales, voici ce communiqué de la CENI, communiqué à l'endroit donc de la formation des opérateurs de saisie. La Commission électorale nationale indépendante informe donc les candidats au poste d'opérateur de saisie et que la liste définitive des résultats peut être consultée à la Foire Togo 2000 dans le grand quotidien national Togo Presse du vendredi 7 septembre 2018 et sur le site internet de la CENI www.ceni-tg.org. Par ailleurs, elle porte à leur attention que la formation aura lieu dans les locaux de la Foire Togo 2000 à Lomé, centre unique en deux vagues, du 10 au 15 septembre 2018, de 7h à 7h au PS de la première vague, du 17 au 22 septembre 2018 à 7h également au PS de la deuxième vague. Elle sera suivie d'un test. Les candidats sont priés de consulter les listes de répartition par salle affichées à Togo 2000 avant le début de la formation. Chaque OPS est tenu de se munir de sa pièce d'identité en cours de validité. Les absents seront considérés comme démissionnaires. Sport, je vous l'annonce en titre. Trois athlètes ont représenté le Togo au tournoi de judo de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso le week-end dernier. Parmi eux, Noéline Koro. Elle a décroché la médaille d'or dans la catégorie des plus de 78 kilos. La délégation togolaise de retour a été reçue cet après-midi par le ministre en charge des sports, Jean Kofi Edeti. Noéline Koro, plus de 118 kilos, Emmanuel Ogoué, 113 kilos et Maudit Gloire, 106 kilos, sont les trois athlètes togolais ayant pris part au tournoi de la ville de Ouagadougou les 1er et 2 septembre dernier. Si pour les hommes, l'on n'a pas atteint l'objectif, côté dame, Noéline a été la meilleure, décrochant par là la médaille d'or. Une moisson appréciée par le ministre en charge des sports. Cette victoire, c'est une victoire méritée qui a été construite. Et je suis heureux de vous le dire. Grâce à vous, notre hymne national a retenti à l'international parce que nous avons gagné une compétition. Votre visée, votre objectif, c'est Tokyo. Donc à partir de maintenant, chaque compétition doit vous permettre de vous rapprocher encore plus de cet objectif. Mais la seule manière de savoir si vous progressez, vous devez gagner vos compétitions. Arrêtée il y a 13 ans, cette compétition qui revoit le jour permet aux judokas d'atteindre le niveau requis en vue de participer aux compétitions de plus haut niveau. C'est une joie pour moi d'avoir la médaille d'or au tournoi de Ouagadougou. Ça montre qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir pour atteindre le niveau que j'aimerais me fixer sur l'international. Je ne suis pas déçu parce que en tant qu'athlète, c'est le chemin à faire pour arriver au bon niveau. C'est des compétitions qui donnent l'expérience. Là maintenant, j'ai appris, bien nous espérons avec mon collègue que les occasions viendront pour que nous puissions essayer de corriger et découvrir encore plus nos faiblesses. Il s'agit de Yao Agodo, désormais ceinture noire 4e dan, et de Akila Bataskom, qui est passé au 3e dan.
Ce dernier a été choisi meilleur arbitre de la compétition. Outre le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon pays invité, le Mali, le Niger et le Sénégal, on prépare à ce tournoi. Et puis la première édition de l'Homme Holidays a eu lieu samedi dernier à l'Homme au lycée de Baguida. Un événement, le premier du genre, qui se veut rassembleur des artistes togolais autour d'une même idéologie, celle de la promotion de la musique togolaise. Ulrich Amégan, Arnaud Kilio pour le reportage. Du rap, du R&B, de la salsa et du slam pour faire bouger le public de Baguida. Une ambiance 100% 228 pour égayer élèves et étudiants pendant ces périodes de vacances. À tour de rôle, ces 20 artistes de la musique togolaise ont tout donné à couper le souffle. Pour moi, c'était une réussite. Le public a aimé, c'est ça l'essentiel. Caporal défend depuis le début de sa carrière, les valeurs patriotiques, les mœurs et les coutumes. Donc, qu'on nous donne plus d'opportunités pour parler au peuple, qu'on nous donne plus d'opportunités pour sensibiliser le peuple, qu'on nous donne plus d'opportunités au peuple d'écouter de la bonne parole, de la parole d'information, de formation, de sensibilisation, d'éducation. C'est un événement à applaudir, tu vois. Je suis tellement fier d'assurer cette scène ce soir et de terminer la scène, tu vois. Le public est avec moi et je suis très content. Si je ne suis pas en paix, je ne peux pas venir ici, tu vois. S'il y a la guerre, tout est chaos, quoi, tu vois. Donc moi, je suis d'accord à ce que le Togo soit en paix. C'est une initiative à l'actif d'Aquestar, spécialisée en événementiel, parrainée par le président de la République dans sa vision de promotion de la culture togolaise et du renforcement de la cohésion nationale. Et la thématique retenue le prouve si bien, pour une jeunesse citoyenne, solidaire et engagée pour la paix. L'Homme Holidays est une belle initiative. Au fait, c'est d'essayer d'apporter les artistes préférés de nos mélomanes et de nos fans vers les différentes localités. Si un artiste est beaucoup écouté, pourquoi ne pas l'utiliser comme un vecteur pour pouvoir passer le message? Donc, vous allez le remarquer, la plupart des artistes choisis, à la fin de leur prestation, laissent toujours un petit mot. On doit rappeler aux jeunes qu'on doit quand même essayer d'être fort et surtout respecter son prochain, prôner la paix. On ne peut que remercier le chef de l'État parce qu'il a pensé à cette jeunesse-là. On ne peut que dire merci au ministère à la base et également aussi au ministère de la Jeunesse, en charge de la jeunesse, qui se sont dit qu'il faut forcément occuper ces périodes de vacances-là. L'Homme Holidays est une série de concerts itinérants qui se déroulera pendant un mois dans les grands quartiers et périphéries de Lomé pour donner du plaisir au public. Prochaine étape, le quartier B, le 8 septembre prochain. Et voilà, c'est en toute musique que se referme donc cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir et particulièrement à Tomé et par ailleurs dans les lacs et toujours fidèlement. Une très belle soirée.